Oui, salam alaikum à tous mes frères. Ici, Ituka, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, rouille à la famille. Voilà. Je vous laisse avec mon copain, Vengamer. Ok, très bien. Bah, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Je vous informe que vous allez que ce que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est l'une des vidéos qui est troisième vidéo de la saison sur imitation. Alors, je viens vers vous pour vous dire que on n'a pas quelqu'un qui va imiter quelqu'un. On a vraiment présente-toi. Écoute. On m'appelle Titouan. J'ai actuellement 8 ans et demi. J'aime beaucoup le tennis, le table. Mais tapoter mes couilles. T'as dit quoi? Je préfère tapoter mes touches. Vous savez, tout ce qui est touche, moi je m'y connais dans le métier. Genre, touche de piano, de tennis. Okay. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on vous fait rappeler. On accueille fièrement Titouan qui va marquer cette grande pause de après cette émission, cette grande pause de retour de rentrée, cette grande pause avant un autre épisode sur la saison. Oui. Du coup, on est fiers de vous accueillir. On est fiers de t'accueillir, mon petit. Alors, avant de commencer, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui t'avait envoyé un message et qui nous a dit, puisque toi tu venais, on savait que toi du coup tu venais. Oui. Du coup, il nous a dit, est-ce que vous pouvez lui faire parvenir ce message là? Donc du coup, on lui a dit, ok, c'est ton ami Yoshi que tu connais de longue date. Tu veux écouter ce message? On l'écoutera en fin de vidéo. Et on va l'écouter en fin de vidéo, comme vous voulez. Allez, hop, ce sera plus cool. Comme tu veux, hein. Si tu trouves que c'est plus cool de l'écouter en fin de vidéo, et écoute, voilà. On t'a fait venir sur ce live. Oui. Pour que tu nous fasses rire, parce que tu as quand même une manière de nous faire rire. Parce que si je me trompe pas, t'es l'un des enfants les plus connus qui fait rire presque toute la France entière, si je me trompe pas, avec tes mimiques. Après l'émission de Yoshi qui avait fait un carton sur la chaîne, on est heureux de t'accueillir parce que du coup Yoshi, à la fin de la vidéo, il nous avait fait « Ouais, faudrait que vous invitiez mon pote Titouan parce qu'il est super fort et tout ça, c'est un mec qui fait rire tout le monde et tout ça. » Il nous avait dit « Voilà, donc du coup on t'a invité. Oui. » Du coup, c'est pas pour faire une interview, c'est pour passer du temps avec toi et pour que tu nous montres vraiment ce que tu sais faire pour faire rire la population. Voilà, donc du coup tu peux commencer à faire rire la population française comme tu veux. Alors, je suis pas forcément prêt pour faire rire le monde, mais je peux vous expliquer un peu mes hobbies et puis comment je joue à Minecraft. Ouais. Parce que j'aime beaucoup jouer à Minecraft, sachant que je suis sur beaucoup de touches et comme je vous ai dit, je suis accro aux touches. Tu vois, en fait, ça me donne une petite sensation dans les panards. Je peux pas savoir à quel point. Ah ouais. Oh là là, ma mâchoire est toute enflée après. Ouais. Et on va te poser des petites questions, c'est pas une interview, mais juste pour rigoler, pour voir. Quel est le bruit que tu fais le plus souvent quand tu te fais courser et tout Je fais un petit bruit un peu bizarre, c'est comme si on disait ahra dans le jargon. Vas-y. C'est ah. Et quand tu fais ce bruit là, tu penses à qui? À quoi? Je pense à mes touches USD, bien sûr. Et est-ce que tu as une question à te poser? Enfin, est-ce que tu as une petite amie et tout? Est-ce que tu as un faible pour quelqu'un et tout? Oui. Qui? Pour mon écran. J'adore les informatiques. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et qu'est-ce que tu lui fais à ton écran? En fait, je mets une photo de Céline Dion dessus, un fond d'écran, et puis il fait un bisou tous les matins. Waouh! Oh ouais, ok, très bien, écoute. Voilà. On est heureux de le savoir.
Bah du coup c'est cool. La dernière fois il y a, comment dire, il y a, on va poser la même question que bah, la dernière fois un mec avait été à notre il était venu à notre interview bah, de ton ami Yoshi. Oui. Il nous avait posé la question. Poser des transports en commun parisien. Bah à toi Yoshi nous avait dit. C'est un petit peu sale quand même. Ouais. Parce que quand je pose mon anneau sur le bas, le bras. Des fois ça craque un petit peu. À toi de nous dire ce que tu en penses. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses toi des transports en commun parisiens? Gros big up à Pronaut qui avait dit ça, qui est mort, je le rappelle hier, il s'est fait manger par Yoshi. Gros big up à toi, on t'aime. Oh. Mais vas-y. Alors, moi, bah personnellement j'aime bien les transports. Surtout ceux de Paris. Ah ouais. Pourquoi? Je les adore. Parce que des fois, en fait, il reste des petits trucs. Tu sais, quand ils se tiennent à la barre, il reste un peu de graisse, tu sais, sur la barre. Et moi, ils ont bien léché ça. Voilà. Et tes parents, ils disent quoi? Bon, mes parents, ils sont avec moi. Ah oui. C'est eux qui m'ont appris. Ils m'ont expliqué que dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Ah, bah, moi, du coup, moi, on m'a dit que dans 20-30 ans, il n'y aurait plus d'eau. Le Gorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah oui? Ouais. Moi, on m'a dit que dans 20 ou 30 ans, il n'y aura plus de graisse. Il fallait en profiter. Parce que j'adore la graisse. Ah. La graisse, le pays ou la graisse. Ouais. Bah non, la graisse, tu sais ce que t'as dans le bidou. Ce mot que j'ai pas entendu pendant je sais pas combien de temps. Le bidou. Ok, très bien. Bah, okay. Bah racontez-nous quelque chose d'autre sur. Je sais pas, un truc de votre vie, un truc qui vous est passé. Ma vie amoureuse? Bah, comme vous voulez, hein. Je pense pas sûr que ça soit votre écran non plus de machin. Oh, c'est pas grave, j'ai juste. Je vais vous raconter ma. Ma quoi? Quand j'ai fait amour à un facochère, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, je l'ai. Peggy 18. J'ai attiré avec une carotte. Du coup, bah, il a gonflé en fait au ventre et j'ai compris qu'il voulait m'amado. Oh. Et donc, bah, du coup, bah. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, du coup j'ai lancé ma phrase de séduction et il m'a sauté dessus. Voilà. Okay, et tout. Okay. Oui. Un gros blanc. Ouais. Parce que l'équipe là, elle a les yeux grands ouverts, tu vois, l'équipe genre. L'équipe du style genre. Lozupan, Natsumi, tout ça, la bonne communauté, là, en mode, ouais, yes. Ah, ah et du coup, bah, voilà, mais bon, écoute, t'as encore, t'as que 8 ans. Donc... Bah oui. Et du coup, t'as encore toute ta vie devant toi avant de bien passer à tout ça. Tout. Bah, tu sais, après, je suis déjà une grande star. Ah oui, j'ai beau être petit, je suis une grande. Bah oui, t'as toujours été t'as une grande star. Bah oui. Ah. Oh, ok, bah du coup, Du coup, je sais plus trop quoi dire. Parce que j'ai trop papoté sur mes relations actuelles et tout ce qui va avec. Donc, du coup, un peu raconter ma vie. Bah, je sais pas, comme tu veux, raconte ta vie. Est-ce que, hormis ton super PC de la mort qui tue, est-ce que tu as une petite copine, genre quelqu'un que tu aimes bien sur tes serveurs ou des choses comme ça? Non, mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai adopté. T'as quoi? J'ai adopté un ornithorynque. Ah ouais? Tu sais, comme dans l'âge de glace là. Ouais. Voilà. C'est tout. Et du coup, je vous ai vu tomber. Pardon, c'était drôle. Oui. Et du coup, ouais, bah, vous avez adopté ça. Ah, très bien. Alors, je vais. Ouais, bah écoutez, est-ce que vous avez une dédicace à faire à votre ami, Yoshi? Est-ce que vous avez une déclaration, un truc comme ça à faire à votre ami, parce qu'il avait fait. Oui. Alors, Yoshi, reste comme tu es, tu déchires. Voilà. C'est juste ça à lui dire. Et bah, très bien. Yoshi, reste comme tu es, il n'y a que ça à dire, écoute. Hein. Et tu déchires. Tu déchires. Tu déchires. Tu déchires. Ok, d'accord. C'est que ça déchire bien. Genre. Comment? Ah oui, c'est ça, bah, la question que je vais vous poser, c'est comment avez-vous rencontré Yoshi dans le... Comment?
Comment avez-vous rencontré Yoshi dans vos aventures? Bah, je travaillais en fait dans le jargon. Dans le quoi? Dans le jargon. Oui. Et lui, quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, bah, il est venu. Ouais. Et il m'a adoré. Genre, il t'a adoré comment? Bah, il m'a adoré, il m'a grand adoré parce que il vient un massage des pieds. Je travaillais en French manucure avant. En French manucure? Oui, j'étais en stage plein air. Donc, genre, du coup, bah, gros, il m'a aimé. Genre, en gros, t'as 8 ans, t'es en stage. Oui. Waouh, t'as fait. Vous savez, on peut faire des stages pendant les vacances. Oui, je sais. Bah, écoute. Bah, j'ai fait ça. 8 ans, c'est très bien ça. Bah, oui. Du coup, voilà. Bah, j'ai un peu raconté tout ce que j'avais à dire sur ma vie. Bah écoutez, on est heureux de vous informer. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite blague avant qu'on parte? Comme ça toute l'équipe va pouvoir arrêter de mater. Qu'est-ce qu'un pouce sur la tête d'un chaud? Je sais pas. Un sans-abri. Anna. Ça a été bien. Oh non, d'où je rigole sur ça, ouais, je regarde, il y a tout le monde qui rigole là, tu vois, il y a toute l'équipe derrière moi, là, rigoler, regarde. Mais tu pourras regarder, replay sur ces actions, s'il vous plaît. Bah voilà. Alors, avant de nous quitter, on avait dit qu'on écouterait le message de Yoshi, est-ce que vous voulez l'écouter? Oui. Eh bah allez, go l'écouter, allez c'est parti, vas-y, hop. Vas-y, hop, je mets en marche le machin et hop, c'est parti, on écoute le message de Yoshi, vas-y. Ouais, salam mon. Alors, je voulais te remercier pour le massage de pied. Ça va pas remercier. Et puis, je sais que tu passes sur la scène de Bande de Mer. Donc, je voulais te souhaiter bonne chance. Et puis, reste comme tu es, Oula. Voilà. Bisous. Et ben voilà. Est-ce que vous êtes content de ce qu'il a fait, hein? Bah oui, un petit peu quand même. Ouais. Et du coup, bah, il a le même âge que vous, hein, Yoshi, il a 8 ans et demi, si je me rappelle bien qu'il avait dit ça dans la vidéo. Oui. Et du coup, vous avez 8. Et bah, ouais. Du coup, bah là, voilà. Bah, j'espère que vous avez pris du plaisir à être avec nous, les gens. Ah bah oui. Au calme. Je pense qu'ils auront bien aimé. Ouais, bah, je pense qu'ils auront bien aimé, surtout que toi, t'es la personne que tout le monde aime bien dans la street, tu vois. Ah bah oui, dans la street zère, toi-même, tu connais. Ah. Oui, je connais bien, ça c'est mon domaine. Oui. Et donc du coup, voilà. Bon, bah j'espère que cette émission, bah on va s'arrêter sur cette émission. Bah après cette émission, la météo de Jean-Kikou 56. Après, le journal de 20h de JPP. Et puis bah j'espère que, bah on va se dire à plus. Hein, écoutez, hein. Voilà. Et voilà, on va faire une. Bah, c'est sur cette émission que la saison va se mettre en pause car il y a les vacances, le retour, et oui, le retour de la rentrée et du coup bah il faut qu'on se laisse. Et du coup bah les oui. Émissions, je vous informe que les émissions seront pendant les vacances. Donc ou peut-être pendant les vacances ou peut-être le samedi ou le dimanche ou un truc de ce genre, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que cette émission vous aura plu. On se dit à dans peut-être 2-3 semaines peut-être, hein. Oui. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Titouan qui sera dans la description. Hein, à la chaîne de Yoshi qui sera aussi dans la description. Et voilà. Puis à la chaîne de tous ceux que j'ai dû dire dans la vidéo, enfin s'ils ont une chaîne. Et puis Oui. Et un dernier mot à dire avant de partir. Salam alaikum. Ok, très bien. Très bien. Hein, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a été très gentil avec vous. Voilà. Est-ce que tu as des gens à remercier dans cette vidéo? Dans cette émission, tu as des gens que tu n'aimes pas du tout et que tu as envie de dire? C'est bon, lâche-moi. Oui. Qui? J'ai Sniper Fort. S'il passe ici, je voudrais te dire que je te déteste. Oui. J'en ai un autre qui s'appelle le Bendos. Je voudrais pas être vulgaire, mais c'est un peu un pot de colle. Ouais. Et il me prend un peu la tête. Puis sinon, le reste, ça va.
J'aime bien. Ok, très bien. Bah écoute, et en joueur, est-ce que t'as des gens à remercier ou à dire que t'aimes pas ou dire que c'est trop des personnes qui collent les modos ou qui collent des personnes ou qui sont trop méchants, genre à dire faut que vous vous améliorez et tout. À toi de dire. Comme tu veux. Non, j'en ai pas forcément. Ok, bah très bien, écoute. Est-ce que bah du coup des gens à remercier pour ta famille qui t'a un peu payé en disant bah, tu peux venir. Après, bah oui. Bah du coup je suis bien content que ça t'ait que tout te plaise, hein, écoute. Hein. Bah oui. Heureusement, sinon je serais pas venu. Ouais bah. Voilà. Surtout écoute. Pour les cookies. Pour les quoi? Pour les cookies. Les cookies. Et c'est vos cookies là, ils sont bons. Ouais, ils sont préparés par la secrétaire de l'émission. Ah, je vois. Tu vois qui c'est? Oui, je l'ai croisé tout à l'heure, elle m'a fait un clin d'œil. C'est qui t'a dit ça? Qui? Vas-y, dis. La secrétaire. Ouais, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Claude. Claudine, pardon. Claudine, très bien. Et bah du coup bah voilà, écoute, je vais remercier toute l'équipe je vais remercier l'équipe d'avoir été là parce que c'est la dernière émission parce que après cette émission là il y a une nouvelle émission qui va se mettre en place avec les mêmes comédiens, les mêmes réalisateurs et moi-même, mais pas le même nom. Donc je tiens à réaliser l'équipe de 2-3 qui vont partir parce qu'ils vont faire autre chose. Je tiens à remercier je tiens à remercier Itchluka hein, qui a été là pour nous, hein, qui a été pour nous aider, hein, qui a été un bon gars, hein, qui va parvenir. Oh non. Et du coup, je tiens à remercier aussi Athéna qui nous a quittés dans un autre monde survie, qui ne reviendra sans doute jamais parce qu'elle a décidé de plus parler. Elle a trouvé des personnes un peu ouf, comme on dit dans le jargon. Non, je tiens à faire un gros big up à Lozupan qui a été là pour les caméras et tout ça, qui reviendra sans doute pour une prochaine saison, mais pas pour cette saison-là, là qui va prendre des vacances. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu venir à cette émission-là. Je tiens à remercier... comment ça s'appelle Alnette qui nous a donné une idée de qu'est-ce que serait le prochain épisode de cette série. Je tiens à remercier Pronote de nous avoir été... Pour cette merveilleuse question des transports en commun à Paris. Oui, voilà. Revoyons cet extrait, parce que je ne suis pas sûr qu'il revienne. Donc revoyons cet extrait Epicness, qui a marqué toute la France. Posez les transports en commun parisiens. Voilà, et je tiens à remercier... Sorkai qui n'est pas revenu depuis et j'espère qu'il reviendra un jour ensuite. Ah, il n'y a plus de nouvelles, hein. Je crois qu'il est mort. Bah écoute, si ça fait comme Athéna, écoute mec, je pense qu'on est dans la merde. Écoute, hein. Ah, c'est vrai. C'est dommage. Et du coup, je tiens à remercier lui. Je tiens à remercier Y qui était venu pour la première émission mais qui maintenant ne vient plus. Après, il a plus envie de venir. Ensuite, je tiens à remercier toute l'équipe de montage, moi en fait, d'avoir monté cette vidéo. Est-ce que toi aussi, tu as des remerciements à faire de plus ou... Moi non, okay, pas forcément. Fini. Voilà, c'est fini. J'espère te revoir bientôt, mon petit. Oui, ça devrait aller. Je suis dispo. T'es dispo. Oh, c'est une bouffe. Au calme quand tu veux, hein. Quand t'es libre, hein. On s'appelle. Ouais, t'inquiète. On s'appelle, comme on dit. Ouais, on se dit. Ouais, on s'appelle, au calme. J'espère que... Mercredi. J'espère que tu reviendras bientôt. J'essaierai, ouais. Au calme, j'espère que tu reviendras. Y'a pas de raison pour que je revienne pas, hein. Voilà. Par contre, on se retrouvera pas dans ces décors. On se retrouvera pas dans ces décors-là. On se retrouvera dans de nouveaux décors, sur de nouvelles choses, si c'est une nouvelle émission. Je vous dis peut-être peut-être le mois, pas le jour exact, mais peut-être le mois quand est-ce que la saison reviendra. Alors, toujours la saison 1, mais juste pour vous. Voilà. Oui. Dans peut-être
3 semaines, je pense, juste le temps qu'on se remette dans le bain de l'école et que quand la vidéo sortira, on se pètera des barres et on oubliera complètement l'existence de l'école. Et voilà. J'espère que cette émission sur ce dernier plateau vous aura plu. J'ai fait le tour des personnes que j'ai invitées. Oui. Et puis voilà. Écoute, c'était Fabien. Non, c'était Michel. C'était Michel depuis le début. À l'appareil. Et peace and love. Bisous, salamour à l'écoute. Allez, à plus. À plus dans le bus.